Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir du loot et de l'argent en illimité sur Diablo 4. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre au-dessus de Kyo Vashad. Donc juste ici sur le gameplay, regardez, il y a Kyo Vashad qui est juste ici. Et vous allez devoir vous rendre à cet emplacement bien précis. À cet emplacement, vous allez trouver deux cadavres, celui-ci et celui-ci. Très important, n'interagissez pas avec le premier, interagissez directement avec le deuxième. Et là, ce que vous allez faire, c'est directement spammer. Donc attendez, je vais tuer les ennemis. Voilà, parfait. Donc là, vous allez directement spammer XXX. Et regardez, là, je spamme, je gagne des pièces d'or. Et en plus, je vais gagner du loot. Regardez mon inventaire, il est presque, enfin, il n'est pas encore rempli. Et vous allez voir que je vais le remplir. Là, je spamme comme un ouf. Je gagne déjà de l'argent en illimité. Et regardez, il y a du loot qui tombe en illimité. En fait, c'est un cadavre qui est complètement glitché et ça vous donne tout à l'infini. C'est un truc de ouf. Donc regardez mon inventaire, je suis presque plein, je vais le remplir. Voilà, là j'ai rempli mon inventaire. Donc là, je retourne directement dans le village en me téléportant. Alors bien entendu, je vais d'abord regarder s'il n'y a pas des équipements qui m'intéressent. Comme celui-ci par exemple, plus 38, donc c'est très intéressant. Alors là, j'ai carrément reçu une émeraude brute qui me permet de l'insérer dans un équipement. Ok, donc quand vous avez fait le tri de tous les équipements que vous voulez garder, vous allez au vendeur. Et vous vendez tout ce que vous voulez utiliser en fait, tout ce que vous ne gardez pas. Alors quand vous avez tout vendu, vous retournez à votre téléporteur, ça va vous ramener directement près du cadavre où il y a le glitch et vous allez pouvoir faire ça en illimité. En plus de ça, regardez, le loot que vous n'avez pas ramassé reste exactement au même emplacement, donc vous pouvez les récupérer. Et là, hop, vous respammez le cadavre, interagir et vous regagnez des pièces d'or et du loot en illimité. Alors par contre, il faut savoir que moi j'ai dû relancer la partie parce que le cadavre n'était pas glitché. Donc je sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivé, j'ai appuyé sur X et ça ne marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement quitté la partie, donc j'ai fait ça. J'étais dans partie, j'ai quitté la partie, j'ai relancé la partie, les cadavres étaient de nouveau disponibles à l'interaction et ensuite là ça a fonctionné. Donc n'hésitez pas à relancer la partie si jamais ça ne fonctionne pas chez vous.